Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour faire un petit tuto. Il ne vient pas de moi. En fait, c'est que je cherchais une petite boîte pour mettre un petit cadeau dedans. Voilà. Donc, au jour où la vidéo sortira, je serai déjà rentrée de la communion, donc elle ne le verra pas. Enfin, elle l'aura eu bien avant. Donc voilà, ouais, c'était pour faire cette petite boîte-là. Tout simple, hein. Pour mettre. Voilà, j'avais mis un petit bracelet à l'intérieur. En plus de cadeaux qu'elle va avoir. C'était un petit plus. Et en fait, j'ai cherché. Quand j'ai acheté le petit bracelet, il n'y avait pas la boîte, il n'y avait rien en fait. Donc je ne vais pas l'offrir comme ça. Donc cherchez une boîte. Et bref, du coup, je cherchais une boîte. Sur Pinterest, j'ai trouvé une image qui était celle-ci. Bon, pas très bien, c'est pas grave. Donc, j'ai été voir, c'est un tuto, genre je dis le nom, hein, de Elodie Bertrand, c'est une démonstratrice indépendante Stampin' Up. Et du coup, ça j'ai trouvé sur le site Judiscrop. C'est ça, Judiscrop. Je vous donne l'adresse quand même. Elle est là. Ici. Judiscrop. Donc c'est une pub, une petite boîte qui est hyper simple à faire. Vous aurez besoin que de ceci. Donc même avec des chutes de papier, c'est très bien. Donc voilà. Donc moi j'ai déjà pas découpé. Donc il vous fera déjà un petit morceau qui fait 9,6 sur 2,9. Voilà, déjà ceci. Deux petits morceaux qui font 9,6 sur 13. Alors, je vais faire les plis avec vous. Alors, j'étais en train de faire l'autre boîte, donc là, c'est un peu plus. Où est ma planche? Ah, elle est là. Tac. Et comme j'ai un deuxième petit bracelet à offrir, pareil, qui sera vu. Enfin, il sera déjà donné quand la vidéo sera sortie, donc. C'est pas un très souci, hein. C'est des. Voilà, c'est des petits bracelets. Ils étaient tous différents, enfin bref, voilà. Mais sauf qu'il n'y avait pas de. Quand j'ai acheté, c'était sans les sachets, sans rien, sans. Bref. Donc, sur les 13 cm, on fait un pli à 3. Un pli à 4,5 et un pli à 11,5. Voilà, et on fait la même chose sur le deuxième. Donc à 3, à 4,5 et à 11,5. Évidemment, j'ai pris un papier où on voit absolument pas les traits. Et bon, comme c'est pour une ado, pour une ado, ouais, une jeune adulte, ado, enfin bref, bon, je voulais ce côté-là. On l'a en deux fois. Ensuite, pour faire ici, j'ai pris dans mes dies, j'avais ceci qui vient d'Action, donc voilà. Ma machine qui vient d'Action. Qu'est-ce qui vient pas d'Action? Alors moi, pour faire plus simple, je prends les deux. Hop. Là, je suis en train de me dire pourquoi il y a un qui est plus grand que l'autre. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait encore? Attendez.
Voilà, je reviens, j'ai recoupé un morceau, je sais pas pourquoi, j'ai fait 9,6 et un qui faisait 9,4. Ouais, ça, pourquoi. Bref. Donc, on était à prendre ceci. Aïe. Hop. Que je mets sur mes planches, bien positionnées. Hein. On vient placer sur la partie qu'elle a. Là, il y a 3 cm. Là, il y a toute la guette. Donc, on met sur la partie des 3 cm. On essaye de bien placer, centrer. Moi, j'y vais un peu au pif. Hop. J'espère que ça va pas bouger parce que alors, moi, j'ai le chic pour ça. Pas si, évidemment. Hein. Ah, bon. Je mets 10 ans. Voilà, j'ai coupé hors caméra. Tac. Ça, moi personnellement, je les garde. Les petites chutes là. Comme cela, je les garde. Je vais les mettre à, je mettrai dans mes découpes. Ça peut servir. Ensuite, on fait les plis. Alors, là, c'est ma partie qui ira dehors. Là, hop, je replie. Voilà, parce qu'en fait, ça va venir se plier comme ça. Enfin. Là, c'est pareil. Et les autres, je les plie dans l'autre sens. Alors, pour info, le papier vient des blocs, les derniers blocs 15-30. C'était le. Alors, c'était. Voilà, c'était celui-ci. Et pour info, cette petite boîte-là, j'en ai fait avec ce papier-là qui vient de chez Teddy. Donc, chez Teddy, il faisait. Il est vachement plus fin. J'étais interrompu. Donc, je disais, ce papier-là, cette boîte-là, c'était du 200 grammes. C'est pour ça que je trouve que ça faisait plus fin. Et celui-ci fait du 250. Alors oui, je vous conseille de prendre du 250 parce que ça, la boîte, bah, c'est pas très épais quoi. Donc ça, c'est juste pour faire, pour mettre, enfin pour faire ce qu'il y a dedans. Alors, donc, on en était à nos parties là. On les met comme ceci. Ce petit bout-là va venir rassembler les deux. Je le mets comme ceci. Alors, de la colle. Donc, on en met sur la languette. J'aurais dû prendre l'autre colle. Bon, tant pis, je suis partie sur celle-là. Hop. Et on vient placer. En fait, ça fait à moitié-moitié. Voilà, vous voyez, ça fait. Ça rentre sur la moitié et l'autre moitié ira sur l'autre moitié, en fait. Comme ceci. Ça va consolider bah, le côté, quoi. Comme ça. Donc, on fait pareil sur l'autre. On met de la colle. Je viens me placer. Je fais comme ça, c'est plus simple pour moi. Je ne sais pas si je suis. Ah ouais, je suis carrément pas du tout dans le champ, quoi. Voilà. Tac. Et je viens me passer. Tac, et voilà, le fond est fait. Ensuite, on va rassembler les deux parties qui sont là. Les deux poignées. Donc, je mets de la colle que sur la partie de la poignée, quoi. Voilà, que cette partie-là, là. Hop. Et je viens rassembler les deux poignées.
Tac et tac. Alors, je voulais mettre un petit ruban. Qu'est-ce que je pourrais mettre comme petit ruban? Parce que ceux-là, j'en ai plein et comme ça, j'aime bien les liquider un petit peu. Bon, je vais mettre. Allez, est-ce que ça serait? Oh, le crayon, pas du tout. Hop, je prends un bon petit morceau de ruban. En fait, des comme ça, j'en ai plein, 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 plein. Et je m'en sers jamais. Donc, hop, c'est l'occasion de s'en servir. Donc, hop. Et on vient faire un petit nœud. Alors, vous faites le petit nœud comme vous voulez. Moi, je pense que voilà, je viens de le faire comme ça. Hop. Et hop. Là, je vais essayer de couper en. On a un ciseau qui n'est pas tip top. Voilà. Voilà. Bon, ça fait un petit nœud, quoi. Ça fait une petite déco. Je pourrais rajouter pour rajouter une petite breloque. Voilà quoi. Je pourrais rajouter plein de trucs. Ensuite, la partie de l'intérieur, c'est un tiroir. Voilà. C'est qu'une boîte d'allumettes en fait. C'est franchement, il n'y a rien de. Voilà. Rien de compliqué, quoi. Donc cette partie-là, il n'y a pas vrai que j'ai perdu mon papier. Alors, là, ce petit morceau qui fait 14,8, 14,8 sur 12,7, si je ne me trompe pas. C'est ça. 14,8 sur 12,7. Et sur les quatre côtés, on fait un pli. 2,9. On fait des plis à 2,9 sur les quatre côtés. Hop. Et voilà, ça va vous faire votre la boîte quoi. Hop, ça j'en ai plus besoin. Et après, il n'y a plus qu'à couper, plier, coller. Hop, on coupe des languettes. Comme toutes les boîtes. Hop. On fait la même chose en face. J'ai pas pris le meilleur papier niveau pour voir. Hop. Hop. Alors, ça là, c'est pour un anniversaire en plus. Tac, tac. On met de la colle. Hop. On vient coller. Je viens faire la même chose de l'autre côté. Évidemment, je suis carrément pas dans le champ. Hop. Excusez, tac glue, ça colle un peu plus, mais c'est ça sèche deux fois plus vite. Et voilà. Alors, ensuite, moi, là, pour faire la petite encoche, je prends la punchboard de Action. Toujours et encore action. Et on dit d'action, mais quand au début de scrap, franchement, action c'est très bien. Hop, et du coup. Alors, je
Normalement, elle est censée, voilà, rentrer. J'ai fait un chose que l'autre, donc bon. Et voilà, notre boîte est faite. Bon, par contre, c'est quoi au niveau des plis? Ça veut dire que c'est pas le même papier, parce que... En fait, je vous dirais même, je vous conseillerais de faire d'abord le tiroir et après de faire les boîtes. Comme ça vient épouser le en épousant le papier, vous faites la boîte et vous venez refermer directement autour du tiroir. Moi, vous êtes sûr que le tiroir glisse bien. Bon, il glisse là, mais c'est un chouïa millimètre. Voilà. Parce que autant celle-ci. Et aucun souci, vous voyez, ça glisse tout seul, mais c'est pas le même papier. Celui-là est plus fin, celui-là est un peu plus épais, c'est limite quand même. Donc voilà, et je prendrais bien ce genre de stickers parce que bon, je connais un peu la jeune fille, et ouais, ce genre de truc là, ça la ferait rire donc. Car est-ce que... Oh, ben, moi, j'y connais rien en anglais. Écoutez. On va prendre déjà... Je vais le mettre là. C'est histoire d'embellir un peu la boîte, quoi. Hein? Alors, ces stickers-là, je les ai trouvés à Zeeman. Attention, c'est marqué dessus. Hop. Voilà, je mettrai quelques petites perles ici. Voilà. Je mettrai un peu de papier là. Pour que ça fasse moins vide. Et je mettrai son petit bracelet ici. Voilà. Bon, voilà. Pour faire un petit cadeau. Et je vous dirais que pour la fête des... Pour la fête. Pour les maîtresses de fin d'année. Cadeau de fin d'année, ça peut être sympa aussi, quoi. Là, c'est pour une communion. Hein, un cadeau un petit plus... Là, c'est pour l'anniversaire. Voilà, c'est histoire de... Parce qu'on fait un petit repas mercredi. Il est déjà passé, mais voilà, c'est histoire de dire qu'elle a un petit cadeau en plus. Voilà, ça c'est des petits plus en fait. Voilà pour ce petit tuto. J'espère qu'il vous a plu, même s'il n'est pas de moi. De toute façon, dans le scrap, personne n'est à personne. Étant donné que ça fait des années que tout le monde reprend sur tout le monde. Je vous jure qu'il y a des tutos même encore maintenant. J'ai été coupée, je sais plus ce que je disais. Mais je ne sais plus. Oui, que de toute façon, encore aujourd'hui, on peut très bien tomber sur... Crottin. On peut très bien tomber sur un tuto, par exemple, demain, voir, oh, c'est super et tout. Mais en fait, ça existe depuis 3-4 ans, quoi. Mais en fait, à chaque fois, on les remet à notre sauce, et puis... puis voilà, quoi. Franchement, même des... Oh, ce sac là, est super joli. Mais ça se trouve, c'est peut-être juste un die. Ça peut être... Enfin, voilà, mais compris quoi. Là, je préfère dire où j'ai pris, moi, le tuto. Ça évite tout plein de trucs et puis... Bref, allez. C'est ça, je vous dis à une prochaine. Bye.